C'est comme si je me recentrais. C'est vraiment de... Ça devient le moment présent. C'est vraiment le moment présent. Puis, à un moment donné, je peux peindre pendant des heures. Puis même, j'en oublierais de manger. Je devrais peindre tous les jours, je serais mince, mince. On ne sait pas qu'est-ce que les gens voient dans notre tableau. Puis, c'est fascinant de voir ce qu'ils voient. Qui s'expriment devant nous et disent « Ah, moi, je vois telle chose dans ton tableau. » Puis, alors que nous, on ne l'a même pas vu. Là. En peinture, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut déplacer les montagnes. On peut, on peut faire ce qu'on veut. Rendre ça beau ou rendre ça laid, si on veut. Le fait de focusser sur le moment présent, quand je peins, quand je crée, peu importe. Mais c'est important. Il n'y a rien de statique dans ce que je fais. C'est-à-dire, j'aime pas les lignes droites. Moi, il y a toujours du mouvement, il y a toujours les couleurs, le mélange des couleurs. Je mets de la musique puis je me laisse aller. En fait, la création va toujours, toujours faire partie de moi. Que j'ai 100 ans, peu importe, là. Je veux dire, ça va toujours faire partie de moi. C'est un besoin. J'en ai de besoin pour vivre, pour continuer, pour me sentir vivante, me sentir jeune, me sentir... dans ma tête, j'ai pas l'âge que j'ai.